Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, direction vide-grenier. Alors je suis un petit peu à la bourre, plus qu'à la bourre même. Je risque d'arriver plutôt vers les coups de 11h. Bah, c'est pas grave, on verra bien si on trouve quelque chose. Et puis sinon on trouve rien, c'est pas grave. On se donnera rendez-vous dimanche prochain pour un vide-grenier. Allez, je vous laisse avec les images. Et puis on sait jamais, si je trouve une ou deux petites cartes, je vous les présenterai à la fin de la vidéo. Thank you.
Ça y est, je suis rentré pour faire le bilan de ce vide-grenier. Franchement, bah, c'est vrai que sur les coups de 11h, c'est un petit peu plus compliqué de trouver des trucs sympas. Mais je me suis laissé tenter par le petit lot de cartes Aquapolis. Je vais vous les présenter maintenant. Et je vous donnerai le prix à la fin, hein, tout simplement, pour voir un petit peu. Alors franchement, on est loin de cartes à 10 centimes, mais c'est vrai que j'en ai quasiment pas dans la collection. Et je me suis dit, bah, c'était l'occasion. Je les vois très, 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 très rarement. Je crois que j'en dois en avoir quelques-unes, hein, peut-être moins de 10 dans la collecte. Et c'était vraiment l'occasion. Je vous dirai à peu près le prix que je l'ai payé. Je trouve que c'est un prix qui est correct, en tous les cas pour moi c'est correct, mais c'est vrai que j'ai pas trop de notions sur les tarifs des cartes Aquapolis, surtout que elles sont quand même, faut le dire, relativement, voilà, en état moyen, on va dire, voilà, état moyen, de face c'est plutôt pas mal, même si certaines sont plus abîmées que d'autres, mais on y va, allez c'est parti, on a le magnifique le Vénard qui est très très sympa. Evoli, voilà, je ne pouvais pas résister. Quand j'ai vu Evoli comme ça, je me suis dit, waouh, elle est vraiment magnifique. Et puis en plus, elle n'est pas trop abîmée. Elle ira très très bien dans mon classeur. On continue avec Onyx. Onyx est juste incroyable. Je le trouve vraiment magnifique. Hein. Franchement, très très beau. Comme ça, avec ce coucher de soleil. Franchement, Onyx est magnifique hein, sur cette illustration. Elle aurait été brillante. Holo, ça aurait été incroyable. On a ce petit l'euphorie. Alors, il n'y a aucune dinguerie hein, dans ces cartes-là. Mais ça reste de très belles cartes. Capoeira, Tignon. Très sympa, Tignon en train de boxer. Kikli, magnifique. Franchement, les illustrations de Kikli ne sont pas toujours réussies. Mais là, j'aime bien. On a un hypocéan, mais surtout un hypo-roi qui est incroyable. Elle est splendide, cette carte. En plus, elle est, bon, là, les petits bords sont un petit peu abîmés, mais sur la carte, c'est plutôt bon. On a un petit neuneuf farfuré. Malos, qui est très sympa. Avec, ben voilà, Malos aussi. Franchement, très cool. On a une carte énergie. Bon, ben, celle-ci, j'aurais pu ne pas la prendre. Enfin, c'était le lot. Noix de coco, très sympa. Salamèche, et oui, il me le fallait aussi celui-là. Il va aller dans mon classeur. Voilà, un petit Salamèche. Et on a ici un Hérissandre en version reverse. Voilà, c'est plutôt joli l'effet reverse. Ça fait ressortir sur le côté de la carte. C'est assez réussi. Et enfin, la dernière carte qui est un petit Noix de coco. Donc j'ai déboursé quand même la somme de 30 euros pour ce lot. Donc c'est relativement cher pour des prix vide-grenier. Mais je trouve pour 18 cartes de 2002 de ces séries-là, je trouve que c'est plutôt honnête. Ça fait un peu moins d'1,70€ la carte. Bon, voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire si bah, vous l'aurez pris le lot ou si c'est beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à l'état des cartes. En tous les cas, moi, j'en suis très content. Comme ça, je reviens pas bredouille en plus. Et ça va aller compléter mes classeurs. Allez, je vous dis à très, très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.